Les séries Maupassant ont été tournées pour la plupart d'entre elles dans l'Eure. Je m'en réjouis bien évidemment pour le département, mais au-delà de cette valeur ajoutée pour le département, je retrouve dans les différents téléfilms qui ont été faits des caractéristiques pérennes de l'âme normande, pas simplement dans les libations qu'on voit aujourd'hui de l'oncle Sosthène, mais aussi dans les traits de caractère que développe de manière toujours juste et fine Maupassant dans ses nouvelles ou dans ses romans. Il y a en Normandie, chez nos compatriotes normands, ce souci de l'équilibre, ce souci de la prudence, ce souci parfois de la de réserve trop importante. Et on voit bien comment tout cela s'exprime dans le génie de Maupassant. Est-ce qu'il y a une modernité chez Maupassant? Mais les auteurs classiques n'ont pas à être modernes ou non modernes. Ils sont dans leur époque. Et c'est impensable de déplacer un conte de Maupassant à aujourd'hui comme un Zola, comme un tout ce que vous voulez. C'est à peu près aussi intelligent que de jouer Molière en costume moderne, en smoking ou dans un garage. Mais moi, je ne demande pas à Maupassant ou aux grands textes classiques d'être modernes. Je leur demande d'être bons. Beaucoup d'expressions devraient être sous-titrées, ce qui est aberrant. Donc c'est la moyenne entre un langage du 19e, le langage de vos Lagarde et Michard, quoi, en gros, et aujourd'hui. C'est ça. Mais de ne pas essayer de faire dans le patois cauchois, par exemple, parce qu'effectivement, il faudrait des sous-titres, c'est impensable. C'est de trouver quelque chose de compréhensible qui paraît ancien et qui soit juste. Alors il y a beaucoup de faux amis. Il y a des termes que l'on croit modernes et qu'ils ne le sont pas, et inversement. Par exemple, vedette existait au début du 19e siècle. Pourtant, on pense que vedette, ce sont les années 50. Et d'autres termes qui paraissent anciens ne le sont pas. C'est donc une recherche. Tous les textes sont relus par deux personnes, par moi et par M. Santamaria, et avec force consultation du dictionnaire en 14 volumes de notre ami Robert. Le petit Robert et le grand Robert. Voilà. Merci à vous. Merci.